Et salut à tous et à toutes, c'est Skynos aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 de la nouvelle série CSVSMC. Alors, la fois précédente, je vous avais présenté toute la map assez rapidement pour pas vous faire une vidéo trop longue. Et maintenant, on se retrouve pour construire des maisons. Donc voilà, j'ai déjà fait les bases de 3 maisons. Je ne sais pas si je les ferai toutes aujourd'hui dans l'épisode 1 ou alors je ferai la vidéo en plusieurs parties. Donc voilà, on va commencer. Donc du coup, voici, je vais faire celle-ci qui se renfonce dans la terre. Donc, hop. J'ai déjà posé les pierres et maintenant je vais poser les bûches dans chaque angle. Alors ça c'est des maisons. Attends. Réduire un peu. Donc ça c'est des maisons très basiques, mais ça sera l'aspect que pour cette ville-ci. Oui, car il y aura d'autres villes éparpillées sur toute la map. Et donc, oui, je perds mes mots. Et donc voilà, c'est juste ce style-là pour cette ville-ci. Style très basique comme je l'ai déjà dit. Avec les matériaux que vous pouvez voir dans ma barre en dessous. Désolé si je ne parle pas beaucoup, mais vu que je viens de commencer YouTube et tout ça, je ne sais pas quoi trop dire, etc. Et vu que je suis en solo, il n'y a pas vraiment de conversation. Donc voilà. Voilà, déjà les murs du rez-de-chaussée sont déjà faits. Alors je vais faire un premier étage, mais je vais d'abord rentrer une porte. Alors excusez-moi pour le bug d'inventaire, c'est à cause des shaders, mais je ne sais pas comment les régler. Donc porte, une porte là. Non, sans paix. Voilà. Maintenant on relie le tout au chemin. Voilà. Voilà. Alors, je vais pas mettre la nuit à chaque fois que le jour va tomber, je vais remettre le jour parce que sinon j'ai peur que vous ne voyez rien sur la vidéo, donc du coup je préfère pas prendre de risques. Je vais m'attaquer au sol. Je vais faire une avance rapide, comme ça vous ne voyez pas faire le sol comme ça à la longue. Donc du coup faire une avance rapide et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini le plancher et maintenant je vais m'attaquer au-dessus, donc du coup toujours avance rapide. Donc voilà, j'ai fini le plancher du premier étage et maintenant je vais mettre des torches pour qu'on y voie mieux. Sur les bûches. Si j'ai remarqué qu'avec les shaders il y avait un bug avec les torches. Je ne sais pas
pourquoi ça fait ce bug. Donc, du coup, comme je l'ai dit, là il fait nuit, j'ai remettre le jour et en même temps il pleut. Ben franchement, j'ai de la chance pour ce premier, ce tout premier épisode. Et aussi, je vais m'occuper des vitres. Comme voilà, comme ça. Hop. Ici. Je remets des torches. Voilà, ici. Et voilà. Donc du coup maintenant, non, juste un escalier pour pouvoir quand même monter aux autres joueurs, pouvoir monter à l'étage suivant. Voilà. Pile poil ce qu'il faut. Je n'arrive, ça va. Donc comme ça c'est bon. Donc voilà. Ici je vais faire un petit balcon. Hop, je me trompe. Balcon soutenu par des barrières et que je vais entourer de barrières toujours. Sauf ici, voilà. Hop, non, je vais faire comme ça. Ceci, on met des bûches dans les angles coins. Ici, pour changer, mettre des bûches comme ceci. Voilà, ça change un peu. Aussi ici. La porte on verra après pour accéder au balcon. Si vous m'entendez cliquer comme un fou sur ma souris. J'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. On met les bûches. Ça c'est ici, c'est fait. Oh. Voilà. Maintenant, pas faire de c'est une porte. Alors si, pour ceux qui se demandent, mon pack de texture de base, j'ai pris le Sifa pack, et après j'ai rajouté plein de choses à mon goût, comme la porte du CountryCraft, les épées, les armures, même chose pour les outils, et la bouffe aussi a changé, c'est ceci et cela. Et après plein d'autres trucs, je vais pas tout vous montrer. Et alors c'est de plusieurs packs de textures comme le CountryCraft et etc. Donc je vais faire une avance rapide le temps de finir le toit et on se retrouve encore une fois juste après.
Donc voilà, j'ai fini le toit et je vais juste mettre des lumières à l'intérieur de la maison et des vitres, mais d'abord des vitres. Voilà, ici même chose. Voilà. Là. Donc voilà. Je vais rajouter un petit toit ici. Alors ça c'est vraiment un truc spécial de Kigar. Il faisait à chaque intersection d'étage, il mettait ceci. En dessous, normalement, il mettait ça en dessous. Moi, je le mets au niveau des bûches pour pas que ça gêne les vitres. Voilà. C'est un peu long à la fin. Je continue ici. Non, non, je vais m'arrêter ici plutôt. Et revenir de ce côté-ci. Et voilà. Et mettre des barrières encore une fois dans les coins comme ceci. Là, on va juste laisser comme ça. Comme ça. Comme ça. Et c'est bon. Donc voilà, après ici on peut rajouter aussi des piliers comme ça. Enlever de la terre ici sans tout casser et mettre des torches. Donc voilà, ça sera alors une maison par épisode et cette vidéo ne sera pas coupée comme vous le verrez bien dans la vidéo vu que vous n'aurez pas de coupure. Donc dans les prochains épisodes, je ferai ces maisons-là, je m'attaquerai à ces maisons-là, ou alors je les ferai hors caméra, puis après je vous montrerai libre mon choix. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez cette série et aussi si vous préférez que je fasse les maisons banales hors cam et ou tout en avance rapide ou etc. Dites-moi vos avis. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, de cette petite vidéo de la première maison en caméra de la série et l'épisode 1. Voilà, une petite maison avec un petit balcon et voilà. Alors ce n'est pas un problème si j'ai fait la maison comme ça vu que auparavant j'avais fait des étages plus haut. Non, ça c'est... Voilà, des étages comme ceci. Là, j'ai fait juste un étage de 2. Ou sinon, généralement, je fais des étages de 3. Mais là, ici, c'est pour casser un peu. Je veux dire, oui, casser la transformation. Voilà, j'ai vraiment pas de chance. Je vais régler ce problème de pluie dans le prochain épisode. Je mettrai un anti-pluie. Un petit système d'anti-pluie. Donc voilà, tour vite de la maison. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo et je vous laisse et je vous dis bye.